L'été est une fois de plus très chaud et sec, à tel point que dans l'est de la Corse, les éleveurs commencent à manquer d'eau pour leurs bêtes. Pour leur venir en aide, un dispositif a été mis en place afin d'approvisionner les plus démunis. Reportage chez un éleveur porcin de Silvaretto en Castanice à deux, Sibylle Brunberg et Enzo Giuliani. 10h du matin, déjà un soleil de plomb sur les hauteurs de la Castanice. Une chaleur accablante même pour les animaux, surtout en pleine période de naissance. Alors, la sécheresse inquiète cet éleveur porcin. On avait mis 7 cuves de 1000 litres pour pouvoir tenir deux ou trois jours, quoi. Ensuite, là, j'ai deux autres cuves où dedans, toutes les truies ont des abreuvoirs automatiques chacune, ce qui permet aussi d'économiser l'eau. En période de restriction, on est obligé de faire comme on peut et... Faire comme il peut et surtout avec de l'aide. Sapeurs-pompiers et sapeurs-forestiers travaillent main dans la main. 4 fois par semaine, ces camions viennent remplir cette bâche de 30 000 litres installée par l'éleveur. C'est la 27e livraison depuis le début du mois de juin. Une fois plein, ce réservoir d'eau peut permettre à l'éleveur de tenir presque un mois. Et nous revenons régulièrement pour lui remplir son nouveau stockage. Et on voit qu'il a réduit la vulnérabilité de son entreprise en augmentant sa capacité de stockage. Et c'est justement là la solution d'adaptation face au réchauffement climatique. La difficulté, c'est qu'il ne pleut plus. La difficulté, c'est que les nappes phréatiques aujourd'hui, c'est complètement vide. Il faut attendre qu'elles se rechargent. Et bien entendu, les agriculteurs ne peuvent pas pâtir aujourd'hui des règlements climatiques. Une aide précieuse en milieu rural, dans des zones difficiles d'accès qui ne sont pas reliées au réseau d'eau de l'office hydraulique. Les camions-citernes, eux, viennent se ravitailler ici, à la station de pompage de Casamotz, une eau fournie gratuitement par l'office hydraulique. Autre acteur impliqué dans le dispositif, la chambre d'agriculture. C'est ici que sont centralisés les appels des éleveurs grâce à un numéro vert. Déjà une soixantaine reçus depuis début juin. D'habitude, votre troupeau, il s'alimente comment ? Sur une source ? Il y a une rivière au-dessus avec une source. Je remplis une fiche commune que nous avons établie avec le SDIS. Comme ça, le SDIS a les informations en temps réel. Et on peut déclencher immédiatement une action. Depuis le début de l'été, déjà 900 mètres cubes d'eau ont été fournis aux éleveurs dans le besoin. L'été est une fois de plus très chaud et sec, à tel point que dans l'est